Je m'appelle Olivier Marnette et je travaille pour la Canopée des sciences. C'est un centre de culture scientifique qui se déplace partout en Guyane. Et ça nous amène à sillonner un territoire qui est grand comme un quart de l'Hexagone. Cette année, on a une itinérance dans l'Est guyanais qui est basée sur l'idée de cohésion sociale. Et donc, pour la fête de la science, la cohésion sociale passera par des rencontres entre ces chercheurs qui se déplaceront avec nous, en pirogue, en avion, avec la Canopée des sciences. La science invite et les gens invitent la science chez eux. C'est ce qu'on a proposé avec un projet ultra-fast Oyapok. Donc le projet consiste à amener une caméra ultra rapide, permettant de voir ce qui est trop rapide pour être vu et trop important pour ne pas l'être. Par exemple, des fourmis sauteuses, dont les mouvements à échelle de ce micro-monde des insectes sont ultra rapides. Donc on va montrer aux gens le monde des insectes, le monde des plantes et tout ce qui est en fait de façon générale trop rapide pour être vu. Il y a une idée reçue, c'est que la Guyane n'est qu'une grande forêt avec une base spatiale européenne. Ceci est vrai. Mais il y a aussi des quartiers. Donc on va dans les quartiers prioritaires, des agglomérations du littoral, Cayenne, Saint-Laurent, et aussi dans les communes éloignées mais immenses, avec nos amis amérindiens qui vivent entre deux étapes d'évolution de leur culture au contact du monde qu'on vit.